As-tu déjà nettoyé tes fenêtres avec de la fécule de pommes de terre? Dans cette vidéo, je te montre pourquoi tu devrais le faire à l'avenir. En effet, l'amidon alimentaire lie la graisse et donc peut être utilisé pour nettoyer divers matériaux. Pour cela, nous allons fabriquer notre propre nettoyant pour vitres avec de l'amidon alimentaire. Pour cela, tu mets dans un vaporisateur une cuillère à café de fécule, du vinaigre et de l'eau. Je prends 60 ml de vinaigre, 500 ml d'eau. Dans le meilleur des cas, celle-ci doit être bien chaude. Maintenant, nous fermons le vaporisateur et nous agitons le tout. Et voilà, nous avons fabriqué notre propre nettoyant pour vitres que nous pouvons utiliser pour nettoyer nos fenêtres sans laisser de traces. Et je vais te montrer exactement comment cela fonctionne. Ici, nous voyons les fenêtres avant. Il y a partout des taches d'eau et d'autres saletés. Il faut absolument les nettoyer une fois. Nous le faisons maintenant avec le nettoyant pour vitres que nous avons fabriqué nous-mêmes avec de la fécule. Pour cela, nous vaporisons une fois les fenêtres avec ce produit. Veille à vaporiser également les cadres afin de nettoyer tout ça une fois. Sinon, toute la saleté va redescendre à la prochaine pluie et retomber sur les vitres. Ensuite, laissez agir le tout pendant 5 à 10 minutes et nous pouvons déjà nous atteler au nettoyage. Maintenant, nous prenons un chiffon humide et nous le passons grossièrement partout. Pense aussi au cadre de fenêtre pour qu'il soit bien propre. Une fois que tu as essuyé toute la fenêtre, tu peux prendre une raclette normale et enlever la plupart du liquide. Ensuite, tu prends un chiffon sec et tu polis une fois pour que tout soit vraiment bien propre. L'amidon élimine surtout la saleté grasse et le tout assure un effet perlant, de sorte que la nouvelle pluie ne peut pas se fixer tout de suite. Le vinaigre empêche également l'apparition de taches de calcaire après le nettoyage, ce qui te permet de nettoyer des fenêtres sans laisser de traces avec ton propre nettoyant pour vitres. Si tu veux savoir comment nettoyer toute ta salle de bain avec une seule pastille pour la vaisselle, regarde absolument la vidéo que je te mets en lien ici. Si tu as aimé la vidéo, je serais très heureux de recevoir un like. Et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo à l'avenir.